Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfan pour un nouvel épisode de Moonlighter. Donc c'est parti, petit épisode donjon. Et écoute, j'ai l'impression que le donjon c'est toujours le même. Alors j'ai fait un petit donjon entre là et maintenant, parce que je voulais faire un peu de sous-sous. Résultat, j'ai déjà plus un copec, mais j'ai plus. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Les bottes, voilà, j'ai les bottes en acier. J'ai les bottes en acier. Là, bah, l'objectif c'est de faire assez de sous pour. Ok, cool. Tac, ouf. Alors ouais, sur la partie sur le donjon que j'ai fait le donjon tout seul. Oula. J'ai fait un défi, j'ai fait le. Vous savez le coffre de défi. Ah oui, alors non. T'es devenu tellement faible mon ami. Ah, oh, je suis désolé de t'avoir ridiculisé comme ça. Vraiment, je voulais pas. Ah, je l'ai ridiculisé, c'était beau. Donc l'objectif c'est de rentrer pour pouvoir améliorer la lance, avoir assez d'argent pour améliorer la lance, puis l'enchanter. Parce que ça coûte cher aussi d'enchanter en vrai. Je les ridiculise quand même tous un petit peu là. C'est quand même moche. Hein. Voilà. D'ailleurs, je pense à toi, tiens. Non, on a goûté. Oh, tu tombes. Est-ce que ça pouvait servir? Yes, petit coffre. C'est parti. Hop là. Ah, c'est bien ça. C'est bien quand c'est les mêmes malus qu'un objet que t'as déjà. 60 000 tranquillement. C'est très agréable. Enfin quelque chose dans un coup. Il y a quelque chose à temps. Il y a rien du tout. Mauvaise pioche, mauvaise idée. Parti. Ouais. Ah bah alors lui par contre il joue toujours plus d'un coup pour le bolosser, c'est toujours. Oh c'est extrêmement désagréable, mais arrêtez. Non, non, non. Ah mais je me fais bolosser par des merdouilles quoi. Oui, et sérieux l'autre, il reste campé là. En fait il attend pile que je finisse. Que je bouge le millimètre qu'il faut pour me prendre, sauter à la gorge. Bon bah GG en tête. Vous avez m'avez fait plus de dégâts que le golem. Bravo à vous. Oh 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 oh. Ça je sais ce que c'est. Ça je sais ce que c'est. Et on va le payer. On va le payer cher. Là on se casse. Vite, 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 vite. Non, non on le paye pas cher. Non genre c'est cool. Oh bah si c'est cool hein. Avant ça manquait le gros monstre vert en fait que nous connaissons. Le blob blob vert là. Ok ouais le niveau des monstres ont augmenté hein. Ceux qui en doutaient voilà. Par contre pas leur résistance mais ah, alors attendez. Il va falloir faire quelques petits micmacs. Ouf, avec ça. Hein, c'est très bien. Et dans le doute, je vais faire ça avec ça. Très bien. Ça, je veux rentrer avec. Hein. Voilà. Ça, je veux rentrer avec. Ça, en vrai, je m'en fous. Maintenant, je m'en fous un peu. Le verre, j'en ai déjà pas mal. Pareil, recycle-moi ça. Qu'est-ce que. Ah, ouais, j'ai deux trucs avec le même malus, mais. On a fait quoi? On a fait un genre, on continue sur la droite. Vas-y, on continue sur la droite. Déjà lu? Donc, j'ai été attaqué par une roche mobile. Ouais, bah c'est bon, on l'a déjà lu la roche mobile. La roche mobile! Nouveau monstre, la roche mobile. Allons voir par là. Ok. Bon bah, on va te bosser. Hein. Voilà. Ah on sent que j'enchaînais un donjon ou deux entre deux. Hein. On est plus mousse hein. Ok, y'a rien dedans. Alors rien dedans, bon enfin des fois quand il y a un truc dans le bureau, c'est un papier. Hein. Donc bon, ça vaut des sous le petit
j'ai la place. Ah merde, c'est tombé. Dommage. J'ai pas de place. J'ai pas de place, mais j'ai des potions. Ça passe par-dessus bord. Ça avec des malus, franchement, en vrai, la bonne journée. Ça, j'en ai pas besoin. J'en ai plein. Ça, ça vaut quelques sous. Ça serait bien qu'on le garde quand même. Paf. Voilà. Tout ça, ça vaut rien, mais c'est juste pour qu'on puisse les vendre. Y a pas de gâchis. Voilà. Ça en vrai j'en ai pas mal du coup. Je vais le vendre aussi. Paf, paf, paf. Ok. Y'avait rien. Ok, très bien. C'est parti. Tout va bien. Il n'y avait rien. En même temps, j'ai déjà eu le gros livre. Hein. Pareil, j'ai ramassé des en faisant le truc de défi. Oh, c'est bon, il y a quelque chose au fond. Nice. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Est-ce que c'est tombé au fond vraiment par contre? Ça n'a pas l'air, mais il y a d'autres trucs bien plus intéressants. Alors, alors bien plus intéressants. Hein. Je l'expliquerai bien, mais voilà. Ceux qui ont déjà joué au jeu, ils savent qu'il y a un livre qui vaut 500 balles et l'autre truc qui me permet d'améliorer mes armes. Bon, voilà. Hein, la bonne journée. Hein. Hop là. Bah, il ne reste plus que je vois une case à gauche. Et on peut changer d'étage en sachant que changer d'étage ne m'intéresse pas. Ah, on voit que ça a brillé. Ouais, vous avez vu un peu à gauche. Je sais pas si vous avez vu. J'ai vraiment zéro place quoi. Ah mais j'ai encore ramassé de ça. La bonne journée. Hop. Hop. Et hop. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a? Le coffre de défi. Nice. Nice, 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 nice. Ça c'est bon ça. C'est parti. Moi je suis plus pour ça. Pour rien d'autre. Voilà. T'es mort. Ça c'est mort. Ok. Ok. Hop là, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on peut ramasser encore? Tac tac tac. Donc là on voit, voilà, j'ai déjà un coffre d'une certaine valeur. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, j'en ai pas besoin. Ça pareil, il faut que le prix remonte un peu, donc on va le vendre. Je pourrais le stacker aussi. Hein, j'ai été sérieux aussi, je peux faire ça. Tac, et on va tout de suite se libérer de la place. Alors ça, ça vaut pas mal, ça vaut 90 balles, donc c'est toujours sympa, mais... ouais, on peut le garder pour l'instant. Le truc c'est quoi les petits bâtonnets? J'en ai déjà 10 en haut là, et je dois en avoir encore 30 dans mes coffres. On n'est pas pressé. En vrai, toi aussi, hein, tu pourrais me libérer une place. Hein. Ouais, c'est le petit bonhomme. Voilà. Donc, vous voyez, paf, le coffre disparaît. On part sur un meilleur coffre. Ouais. Tape-toi là. Ah, lui, il est réglé. Ah, tout est réglé. Ah, 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 des problèmes. Des problèmes. Mais. Ah, les problèmes, les problèmes, les problèmes, toujours les problèmes. Pourquoi vous cherchez les problèmes comme ça? Mais. Oh, mais il me lâche pas l'autre, hein! Puis à chaque fois, il esquive pile la trajectoire du coup de l'as. Parfait. C'est bon, on l'appelle le maître de l'esquive. Ah, mais. Toi aussi, t'es chiant. Les deux derniers. Le coffre s'est déjà amélioré un petit peu. Alors, ça j'ai dit non. Ça j'embarque pas, j'emmène pas. Ça me fait pas voyager. Non, c'est non, c'est refusé. Non, ça je garde. Je garde mes bottes. J'annonce. Pourquoi ça se. Ça se... C'est original ça, ça stack à 8. Ah non, à 10, merci. Voilà.
Je sais pas pourquoi il l'a stacké comme ça. Ça aussi, ça, ça se stack, non? Un peu. Voilà, merci. Jeu qui veut plus rien stacker du tout. Très bien. Tac, 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 tac. Paf. Yes. Les planches. Bon, les planches, j'en ai 10, c'est bon, ça suffit. Paf. On va en faire des sous-sous avec ces conneries. À pouvoir dégager ça maintenant, on fait quand même des sous. Allez, meilleur coffre, s'il vous plaît. Je vais peut-être me prendre un... Mais ma vie est dégueulasse, quoi. Arrêtez de passer entre... Mais alors l'autre, il est même pas sorti du portail qui m'aggro déjà, quoi. Chevalier qui était quand même plutôt balèze et c'est tellement devenu un touriste. Regardez ce coffre doré. Moi je dis il me reste des potions. Alors à savoir aussi, j'ai essayé hein, si jamais vous voulez. On ne peut pas s'enfuir pendant un combat, on peut pas prendre la corde évidemment. Ouais je referais bien des petites potions en ville. Hein. Ouais. Il me reste quoi, 3 emplacements? Qu'est-ce que t'as? Ok, viens m'embrouiller toi. Merci. Oh l'autre, le bubblegum qui roule de tellement loin ce con. Non mais d'ailleurs, attends, je devrais être à l'épée là. Épée, s'il vous plaît. Aïe. Petit con. Prends les petits cons. Allez, salut, ça se dégage. Vas-y, accroche-moi. Hop. Mais l'autre, mais non, mais arrête de me gober comme ça là! C'était la teuf quoi! Hop là! Vas-y, viens voir papa! Viens voir papa plus! Merci poulet! Hop là! Horde mode! Succès déverrouillé! Ah, c'est la première fois que je déverrouille un aussi bon coffre. Le jeu m'a dit bravo. Bravo monsieur. Ok, très bien, très rigolo. Les trucs de chauve-souris, on s'en fout. Viens-moi ça. Les petites sphères d'eau, j'en ai déjà 10. Tu m'en rendras 2. Alors, allons voir. Donc voilà, le pilier cassé, on a le coffre maximal. Putain, je suis bien content. Voilà, donc moi j'avais ramassé ça. Des plantes golem 3 et ancien plantes golem. Voilà, à peu près. L'objet indiqué devient cet objet en rentrant en ville. Oh, mais c'est trop bien ça! Attendez, attendez, attendez. Parce que là, ça vaut de l'argent, là. Cet objet devient ça, ok. L'objet indiqué devient cet objet en rentrant en ville. Alors. Ouais, je suis prêt à sacrifier du bâtonnet, là. Parce que le bâtonnet, c'est pas mal. Mais non mais vas-y reste là. Mais ça vaut pas si cher que ça non plus. Devient cet objet en ville. Oh. Ah c'est très intéressant. Tout ça est très intéressant. On peut faire des trucs alchimistes. Le ciseau se brisera si je reçois un mauvais coup. Ça se cassera. L'objet indiqué devient cet. Oh non mais non mais non. Ça c'est la teuf ça. Non ça c'est la méga teuf ça. Non mais ça j'annonce. Hein. Non viens moi ça là. Il faut un truc à 10 là. Non parce que bon, 500 balles le livre, 500 balles le livre, oui vous avez bien entendu, 500 balles le livre, tu transformes, hein, tu poses pas de questions. Ça je sais pas si c'est très intéressant de transformer des machins dans ce truc là, mais soit. Au nom des objets qu'on... Bon ça a pas mal de valeur ça, la sphère d'eau je sais plus combien ça vaut. Envoie immédiatement l'objet indiqué en ville. Ah, intéressant. Alors attends, bouge-toi ici. Ah là, là c'est gestion et influence. Et influence d'ingestion. De gestion. Alors non, je vais pas t'envoyer toi. Je vais envoyer celui qui a le plus de valeur qui est là-haut, qui est notre premier livre.
Je crois que ça vaut au moins 1000 ou 1500 balles, je crois, un truc comme ça. Paf! Voilà, ça a dégagé. Très bien. On va remettre ce livre là, là-haut. Très bien. Détruit un malus d'objets, machin. Voilà, t'arrives dans le terre-terre. Je vais pas me gêner, je vais te mettre là. On a quoi? Devient cet objet en rentrant en ville. Évidemment, très intéressant. Puisque c'est quand même un bel objet. Surtout si je pouvais transformer mes petites gélatines. Mais je crois que j'ai plus de place. Et en vrai, des lingots, j'en manque pas. J'en manque pas. Ah, je pourrais transformer ça en lingots. Hein. Ça serait rentable. Hein. Ça serait rentable. Comment on fait notre coup? Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Ah oui, les 10 deviennent ça, évidemment. Évidemment, évidemment. Alors ça, en fait, faudrait que tu viennes là. Toi, il faudrait que tu viennes là. Parfait. Hein? Oui, alors j'ai tout pris un peu trop vite. Bon, bah les potions, c'est mort, hein, clairement. On va pas se mentir entre nous. Si je prends trop de coups, ça casse. Ok, c'est un peu dommage, mais bon, vas-y. Hein. J'ai plus de place, donc... dans les objets qui me restent... Je vais passer ça quand même parce que j'en ai pas mal en coffre et les cœurs de golem, enfin les noyaux de golem, ça fait faire des sous quand même. Ça fait faire des sous quand même, donc c'est appréciable. Les 4 épées, les 4 manches d'épée, c'est quand même assez cool. Là on va en récupérer plein des lingots. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vendre les 4 lingots qui nous restent de métal renforcé. Voilà. Ouais, je suis en train de regarder. Ouais, faisons ça. Ça fait un petit billet. Et voilà. Plus qu'à partir. Cool. Ouf. Et ben dis donc, on en aura fait dans ce donjon. Je sais pas si on a fait toutes les pièces. Je crois que oui, hein. Je crois qu'on a tout fait. Ouais, on a tout fait. Retour à la maison. Un donjon très long, mais alors le dernier coffre, il nous a saucé. Alors je sais pas ce que valent les plans, donc les plans de golem, etc. Donc je les avais mis de côté. Je ne sais pas ce que ça vaut du tout. Je sais pas si on peut s'en servir pour faire des trucs et des machins lumino-cosmico-phosphorescents. Voilà. Ou si c'est juste un objet à vendre. Donc... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se trouve qu'à très haut niveau, puisque bah, là, on vient d'en trouver dans ce coffre-là. Dans ce coffre de horde, de dernier niveau. Et j'en avais trouvé bah, quelques-uns dans le coffre, juste de la taille du dessous, en fait, de la qualité du dessous, si on peut dire. Donc, ça va. Oui. Bon, là on s'est saucé. Hein. Là, j'ai 4000 balles, mec. Hein. Je me raconte pas de... Hein. Il faut combien pour ça? 4000. Oui. Ça a remplacé ma lance? Ça a remplacé ma lance. Salaud. Alors c'est parti, vendons du livre. Moi je suis un vendeur de livres. Voilà, j'aime bien les histoires. Donc ça c'est quoi? C'est le plan de golem tout court. Moi je propose un prix de départ à 1000 balles. Bon, après on verra. Ouais 110, vas-y c'est parti. Qu'est-ce qu'on se met ici? Des poignées de couteau. Des lampions comme ça, ça j'ai toujours pas le prix je crois de ce truc. Ouais, ouais j'ai toujours pas trouvé le prix et là je commence à en avoir pas mal. Il y en a assez peu, je pars sur 200, on verra ce qu'on me dira sur une base de 200. Ah oui, manche de couteau j'en ai vraiment beaucoup. Ouais. Vas-y, fais rouler. Ok, aucun de ces objets n'est vraiment recherché. Commencer à vendre du papier là hein, parce que ah oui, ah oui c'est vrai que c'est non mais range tout là. Ok nice, j'en ai, ah oui j'en ai pas mal en fait des ciseaux, d'accord, j'en ai trouvé beaucoup. Bon, on pourrait en vendre à la limite.
Allez, petite session de pente. C'est parti. Donc on a un guerrier. Je pense qu'en fait, je suis en train de me dire que je pourrais peut-être vendre des objets, comme si par exemple si je fabrique d'autres arcs, des trucs comme ça. Tu vois. Parce que là je me demande en fait, quand j'ai un guerrier qui rentre, si justement il prend pas des objets transformés. Parce que sinon ils achètent rien les mecs. J'ai envie de voir si j'ai encore mon arc de base. Ou si ça m'a transformé mon super arc. Donc ça, c'est l'arc de chasse. Ouais non, ça a remplacé mon arc. Donc je suis pas. Donc on peut pas en fabriquer en fait. Voir, je sais pas. Faut voir. Quoi ? 550? Ah oui, il est plus en mode recherché. Oui, il est plus en mode recherché, donc du coup il est à 500. Ouais. Ah, des couteaux cassés. Excellente idée. Mec, tu vas me rendre tout de suite. Voilà. Ah, le con. Ah, le mec, il allait piquer 1000 balles comme ça, quoi. Je peux mettre quelque chose ici, là? Placer. Je peux rien placer. T'as fait d'excellentes affaires ici. Et les cubes de pierre valent beaucoup plus que 200, ok. Enfin, plus que 200 tout du moins. Quoi? C'est pas 500 leur prix de base? Ah non, c'est 350, je crois. Je crois que c'est 350. Bon, on va faire ça. On va voir. J'ai plus grand chose à vendre, on va chercher quelques trucs. Quelques trucs et machins. Alors, ouais, allons vendre quelques trucs et machins. Tout à fait. Paf. Alors, le prix de ce truc, 1500. Après, on verra. Ça, donc on a dit 200, c'était gratuit. Partons sur 250. J'ai un lingot qui traîne. Vendons un lingot qui traîne. Tiens, je prends ça aussi. Hein? Mais non, on met ça là-bas. Et je voudrais vendre ça. Voilà. Et c'est déjà bien. Ah, le bouquin. 400 balles. C'est le bon prix. 400 balles, c'est le bon prix. Il a fait une affaire sur le livre. Mais non. J'ai vendu à 1500 balles, c'était pas assez cher. Bon bah écoutez, hein, moi je pense que ce barbecue là... 1500 déjà. On discute. Voilà. La caillasse toujours pas vendue, ok. On vend du gros item. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses du caillou? C'est le bon prix. C'est le bon prix. C'est le bon prix. Tout est bon prix. Tout est bon prix. C'est le bon prix. C'est gagnant. Le juste prix. Voilà. Si vous avez connu le juste prix, vous êtes du officiel. Oui, bah prends. Achète. Cliquez sur moi. Ouais, tu vas essayer de me chourave. Tu vas essayer de me chourave, toi. Oh, t'as une tête de Kaira, wesh. Wesh. Kaira. T'es de Kaira, je te dis. Allez, tête de Kaira. Allez, vous êtes pas intéressé par des articles à 1500 balles? Excusez-moi, par un article à 1500 balles, évidemment. Et vas-y pépé, ça te fait deux petits litres du soir, là, vite fait, deux litres de poche, là, 800 boules. Allez. Ah, je crois par contre ils ont pas kiffé le prix à 1500 du parchemin, je crois. Je crois qu'ils ont pas été très fans. Paf. Des runes, je sais pas si j'en ai en réserve. On est dans ce coffre nul. Non, j'ai pas gardé de runes. Attends, j'en
regarderai bien. Ah ouais, y a de la place pour ça? Non, y a pas de place pour ça. Pas de place pour ça. Y a pas de place pour rien. Ce serait bien que je conserve des runes là pour le coup. De quoi j'ai plus trop besoin. Ça, ça peut dégager. Ah non. Alors tiens, regarde, j'ai mieux. Tac, on descend. Voilà. Et hop, comme ça tu reviens. Garde-moi deux runes à la con. Parfait. Et de toute façon, avant de décider de vendre quoi que ce soit, on va d'abord. Non mais quitte, excuse-moi. Je maintiens pour quitter moi. On va d'abord aller voir le forge LOL. LOL. Parce que quand tu vas le voir, il fait LOL. LOL, tu te prends pour un guerrier. LOL. Il se moque de moi, la jambe. C'est pas très beaucoup gentil. Il faut l'épée de base. Donc l'épée de base, je peux la faire. Elle coûte 1000 balles, je vais la faire. Je vais la sortir. Paf. La lance, elle est faite. La nouvelle lance, bien sûr, on peut pas la faire. Les gants, on pourrait. Aucun intérêt, on le sait, ils sont pourrables. Ils sont vraiment nuls, c'est vraiment la pire arme du jeu. Oui, on n'a pas regardé les prix éventuels. Les exigences pour ma nouvelle armure. Ça nécessite une pièce que dans tous les cas, deux pièces à chaque fois que je ne possède pas. Donc, écoute. J'ai le grand couteau. Voyons voir ce qu'il vaut. Ah, il remplace le... Ah, c'est pas mal quand même, hein. Ça vaut quoi donc ça? Ça fait du... On peut voir les stats de mon machin là. Ah bon, je peux vendre mon stuff quoi. Je peux vendre mon stuff quoi. C'est très étrange. Il me dit pas c'est combien là. Écoute, on va aller voir la magicienne quelque part. Quelque part, on aura l'info. Oui, enfin non, en fait. Enchanté. Donc ça fait du 50 et on passerait à plus 74, ok. Et ça fait du 25 moins 10. Ah oui, on est quand même beaucoup plus lent quoi. Et c'est moins bien. Et la grosse épée, elle est moins bien. Du coup, c'est quoi l'intérêt? Bon, je vois pas l'intérêt, du coup. Ou alors, on ne nous dit pas tout. Ce qui est possible aussi. Révélant la carte des donjons golems. Potion révélant la carte du donjon des golems. Si j'ai des cartes? Bah oui, enfin non. Mais voir en fait, voir s'il y en a d'autres que j'ai éventuellement. C'est dans toute la vie une potion vitale pour les donjons les plus difficiles. Potion révélant la carte du donjon des golems. Ah non, d'accord, c'est des potions à acheter, ok, nice. Mais je sais pas pourquoi il y en a qui sont bloqués. Ah, parce que celle-là est à crafter, ok. D'accord. Ok, il y a plein de petites potions, fort sympathique, tiens. Oui, d'ailleurs, madame. Non, excuse-moi, toujours pas. Enchantement. Oui. Non, pas le balai. Le balai, je m'en fous. J'ai pas assez d'or. 16 000 balles. Ah, je l'avais déjà enchanté alors, en fait. Ah oui, si t'es à 16 000, c'est que c'est déjà enchanté. Bon, bah écoute, 2000. Et puis 2000. Voilà. On va retourner voir l'autre gadget là, parce que ça me paraît bizarre que l'épée de base. Ah oui, mais c'est parce que mon épée est de base aussi. L'épée à deux mains est de base. Elle est pas améliorée, je crois. Et non, c'est ça, elle est pas améliorée. Améliora. Voilà. Du coup, une épée comme ça, c'est 62 moins 10. Et là, c'est 150. Bah non, c'est de la merde. C'est de la merde. Ou alors moins, ça veut dire que c'est plus léger. Oui, parce que là, c'est du plus. Là, je prends du plus sur la... Non, je prends du moins. Non, c'est de la merde. C'est de la merde officielle. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous remercie. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming. On a vu toutes les armes. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.